Alors tout à l'heure on parlait de rigidité du Grand Cherokee quand il est en position haute. Vous avez regardé évoluer le Grand Cherokee, hein, lorsqu'il est en position assez haute, il a les suspensions qui sont gonflées et qui fait qu'il y a des levées de roues qui sont très fréquentes. D'accord ? Donc là, c'est le véhicule qui fait tout. Bon, vous... Donc ça marche pas alors en fait si c'est ça. Hein ? Ça marche pas alors en fait si on peut pas le faire. Si, si, ça va. Essayez de le mettre en difficulté dans les... Ouais, ouais. Et donc regardez, là on patine, le véhicule va s'arrêter, il y a un calcul qui se refait et ça repart. Les mains en l'air. Lâche non, mais il faut que je me tienne. Regardez, le régime moteur augmente automatiquement, il décèle qu'il ne faut plus de régime moteur, il bloque le pont avant et il repart tout seul. Incroyable. C'est juste le volant. Qui augmente tout seul. Donc là, il penche d'un côté. S'il a du mal, vous braquez du côté où il penche. En l'occurrence, du côté gauche. La roue droite, la roue avant droite patine. Donc le capteur va et la puissance va être transmise sur une autre. Alors après, si en première ça va trop doucement, vous augmentez d'une vitesse, vous mettez en deuxième. Il y a l'usage du frein là. Select speed en deuxième et vous touchez plus à rien. Voilà, il va calculer, il va se positionner et il va travailler tout seul. Donc là, Kiki n'accélère pas, ne freine pas. Bah, il tient le volant quand même. Il définit qu'il faut plus de régime moteur, donc il met plus de régime moteur. Il va freiner une roue, là on l'a senti la roue qu'il a freinée, hein, pour éviter qu'elle soit folle, pour faire avancer le véhicule. Ah, le Grand Cherokee, donc attention, lorsqu'il est en position très haute, il est très rigide, donc les roues vont se lever. Hein, c'est d'autant plus impressionnant que c'est un véhicule qui est lourd. Tu veux que j'aille à la faute? Non. Non. Ça, y en a qui passent là, là? Non. Ah non. C'est interdit. Là, ça doit être sacrément. Oh ben, je pense que tu dois y arriver. Mais... Bon, qui hésite. Et là, il n'y a pas mieux pour leur montrer que c'est pas du blabla. Quoi. Surtout qu'il y a une. Thank you.
Il est lourd, hein. Ben, non, mais sur la Jeep Acast, c'est sûr que plus tu mets des voitures de couleur, on le sait. Ça, en fait, c'est une activité professionnelle à plein temps, hein, ce que... Ah non, j'aimerais bien. D'accord. Des verres, hein. L'idée c'est de toujours faire en sorte que le véhicule soit en mouvement, il roule le plus droit possible. D'accord. Et en cas de problème sur un des verres, on tourne les routes qu'à côté. Pas de problème.